Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. CRPE 2017, groupement 1. Première partie, présentation du problème. Une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion d'autoroute et d'un nouvel échangeur dans la région de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Montauban. Section 2, étude de faisabilité. Dans le cadre d'un projet d'extension, la société d'exploitation mandate une entreprise de BTP pour étudier la construction d'une portion d'autoroute reliant Brive-la-Gaillarde et l'autoroute entre Bordeaux et Montauban. On cherche à construire la portion d'autoroute la plus courte possible. Sur la figure construite précédemment, on note D, le point du segment AC, tel que la distance BD soit la plus courte possible. Le point D représente l'emplacement de l'échangeur à construire. Question A. Placez le point D sur la figure et indiquez ce que représente la droite BD dans le triangle ABC. Question B. Les formules trigonométriques et un théorème appelé théorème d'Al-Kashi permettent d'établir l'égalité qui est admise ici. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AC fois AD. En utilisant l'égalité ci-dessus, montrez que AD est égal à 5,5 cm. Question C. En déduire les longueurs CD et BD. Donc ici, on va devoir placer un point D qui minimise la distance BD. D sur le point AC qui minimise la distance BD. Bien ici, ça va être D, c'est le projeté orthogonal de B. Projeté orthogonal de B sur AC. Donc sur GeoGebra, on peut tracer la hauteur donc perpendiculaire passant par B et perpendiculaire à AC et H et D intersection donc FP. Voilà. Donc ici on a un angle droit. Donc ici on a la figure. On a la figure. Alors, que représente BD dans le triangle ABC? Donc la droite BD représente la hauteur issue de B du triangle ABC. Alors, formule trigonométrique. Et donc on a le théorème d'Al-Kashi dit que BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2 fois AC fois AD. Pour montrer que AD est égal à 5 cm. On rappelle, donc ici on rappelle que AB est égal à 7,3 cm, AC est égal à 7,5 cm, BC est égal à 5,2 cm. Donc ici, on veut savoir AD. Donc BC carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AC fois AD. Donc AD est ici, on a AD. Donc ici, on va faire passer BC au carré de l'autre côté, 2 fois AC fois AD de l'autre côté à gauche. Donc ici on aura 2 fois AC fois AD égale à AB carré plus AC au carré moins BC au carré. On a alors ici, on va diviser par 2 AC de chaque côté, AD est égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2 AC. On remplace les valeurs connues. AB 7,3 au carré plus AC au carré 7,5 au carré. BC au carré moins 5,2 au carré sur 2 fois AC 15. On peut mettre ça sur la calculatrice. 7,3 au carré plus 7,5 au carré moins 5,2 au carré. Oubliez parenthèse. Sur 15, on va trouver 5,5 cm. Donc ici, AD est égal à 5,5 cm. On peut vérifier, segment AD, G est égal à 5,5. On déduit les longueurs CD et BD. Donc on sait que AD est égal à 5,5 cm. Donc D appartient à AC. AD est égal à 5,5 cm, AC
égale à 7,5 cm. AC est égal à 7,5 cm, donc ici. CD est égal à AC moins AD. 7,5 moins 5,5, donc c'est égal à 2 cm. Ensuite, pour calculer BD, alors ici, on a la figure BD. On va s'appuyer sur le triangle BAD, rectangle en D. Donc, on sait que BAD est un triangle rectangle en D. On sait que AD est égal à 5,5 cm. AB est égal à 7,3 cm. Donc AB est égal à 7,3 cm. On veut calculer la longueur BD. On utilise le théorème de Pythagore. Ainsi, alors AB au carré est égal à BD au carré plus AD au carré. Donc BD au carré est égal à AB au carré moins AD au carré. Donc on a AB au carré, 7,3 cm, moins 5,5 au carré, ce qui nous donne 7,3 au carré, moins 5,5 au carré. On va trouver 23,04, et donc ici, BD est égal à racine carrée de 23,04, ce qui donne racine de 23,04 égale 4,8 cm. Donc CD est égal à 2 cm, BD est égal à 4,8 cm.